trop canon, ma carapace va éclater. Vous êtes quoi? On est des ninjas. Sur le papier, on est des tortues. Tortues, ninjas? Vous êtes des frères. Vivez, combattez, mourrez. Comme des frères. Mais je ne vous ai pas préparé à ça. Ah, vous croyez que vous faites le poids? Je suis une tortue alligator, blaireau. Et bonjour à tous, bienvenue dans la tournée des bars, dans les bars un petit peu exceptionnels en ce début d'après-midi de samedi. J'espère que vous allez bien, en même temps c'est l'apéro quand même jusqu'à 14h, hein. Ça va, ça marche aussi. Et donc on va s'affronter jusqu'à 16h sur Tetris Online, puisque c'est le principe hein, de la tournée des bars. Je vous le rappelle, je suis Sephiros, je joue un petit peu de temps en temps à Tetris, mais alors pas du tout à Tetris Online, et le but eh bien c'est d'aller affronter les meilleurs joueurs sur ce jeu. Je vous mets ici le lien tetrisonline.pl/top, enfin, vous tapez Tetris Online Poland sur Google et vous allez trouver le lien, un petit logiciel à télécharger, un petit compte à se créer, et vous allez pouvoir comme ça nous rejoindre s'il y a de la place dans une des rooms contre des très bons joueurs. Alors surtout là ça va être violent hein, parce qu'on est dans les bonnes heures pour le Japon, c'est à dire que là c'est le soir au Japon. Ça veut dire qu'il devrait avoir du beau monde. On a aussi grosse possibilité d'avoir de bons joueurs américains, des choses comme ça. Donc normalement, là, c'est le fuseau horaire, si vous voulez, d'une émission où on va se faire polir, mais gentiment, le fion. Donc j'espère que vous avez bien digéré votre repas pour apprécier ce programme de très grande qualité. J'en profite pour faire un petit bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints, que ce soit Loonsky, que ce soit York, que ce soit Sap, que ce soit Aona. J'espère que vous allez bien. Ecude, Akai. Bon, là, c'est bon, les bons joueurs français sont là. Oh là, Skull est là aussi. Oh bah, ça va y aller alors. Ça va y aller. Bien, on va essayer de se trouver. Alors, du coup, comme il y a pas mal de monde. Alors là, il y a déjà des gens. Anasutasia, c'est intéressant. On va essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas trop de gens pour commencer, pour pouvoir s'affronter entre nous. Il faudrait quand même qu'il y ait un minimum. Ça s'est fermé. Il y a beaucoup de rooms qui sont fermés malheureusement. Là, ça s'est plein comme une huître. Ça, lui, il est tout seul, il va peut-être être rejoint. Il y a là pour commencer. Ah, allez, on va commencer là. Là, Aryu, Didad. KK123, j'ai pas regardé s'il y avait des conditions dans la room, mais ça devrait bien le faire. Bon, j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre. De toute façon, vous savez, hein, je vais changer de room toutes les 30 minutes ou bien avant, suivant le niveau, parce qu'on essaye de quand même de chercher. On va commencer là à s'échauffer un petit peu entre nous, puis après on va essayer de chercher des bons joueurs. Alors on va quand même aller vérifier quel est le niveau d'Aryu. Ouah, ça va être un peu chaud, mais pour l'entraînement, ça devrait passer. Construit à 30, pas trop vite. Je pense que ça devrait aller gentiment, en fait. Là, ça va être une room à lui un petit peu plus dangereux. Il construit un petit peu plus vite, l'attaque est peut-être un peu moindre, mais un panel, vous voyez, en termes de vitesse, attaque, Tetris, Ren, ça joue moins le T-spin, donc on devrait peut-être s'en sortir, je pense. Un premier temps, donc ça va commencer comme ça, gentiment. Ah oui, alors c'est vrai que malheureusement, ouais, mais je vais changer hein, de room. C'est vrai qu'avec le décalage d'Elimotion, tu as raison de le signaler, Sab. Mais ça vous embête pas, ça vous empêche pas. Essayez d'aller jouer dans différentes rooms et puis j'essaierai de rejoindre si je vois des gens qui sont du chat. Allez, on va commencer tranquillement ici. Alors, on le rappelle, hein, c'est un Tetris assez classique parmi les Tetris modernes qui est Spoland, hein, avec un système de rotation adapté pour ça. On va s'envoyer pas mal de dégâts dans la gueule et c'est tout l'intérêt de ce Tetris, hein, c'est pas vraiment de promouvoir la grosse construction jolie, mais c'est surtout d'essayer au maximum. Oh, j'ai raté cette petite rotation de pièces qui m'empêche de faire un renne de plus. C'est d'essayer de poutrer, de pourrir au maximum la room avec, en envoyant un maximum donc de lignes de dégâts, sachant que suivant la forme que vous allez adopter dans votre attaque, hein, que ce soit des Tetris, des... oh là là, par contre là j'ai mis droppé, ça va être compliqué, il va rattraper ça. Heureusement, je suis un peu aidé là avec les pièces, puis ça bourre pas trop, donc ça me laisse le temps de récupérer, de retomber sur les pattes. Par contre, il va falloir que je construise vite quelque chose, parce que là, j'ai pas grand chose pour attaquer, malheureusement. Ouais, c'est pas bon, ça rate, attendez. Non, c'est pas ça que je veux, merci.
Ouais, bon, on va faire avec, hein. Là, c'est pas trop ce que je voulais faire. Oh là là, ça pleut, là. Je commence déjà à attaquer, là, t'as pas le temps de dormir. Du coup, j'ai raté quelques attaques. Ah ouais, je suis embêté, là. Ah, je suis embêté, heureusement, j'ai une barre. Ouais, c'est vrai que c'est le début. Les gens sont encore un peu froids. Ce qui laisse le temps de pouvoir retomber un petit peu sur ses pattes. Parce que là, j'étais parti dans une construction complètement n'importe quoi. Allez. Attention. Ouais, c'est fait en pire là. C'est normal. Là. J'ai hésité. Vous avez vu, ça. J'ai eu vraiment une phase où j'ai hésité. C'est de retomber sur un jeu. Et pendant ce temps, mon écran s'est rempli. Et je n'ai pas pu du tout en profiter. Akai qui a pris très cher d'ailleurs d'entrée. Qui c'est qui nous reste là? Skull est plutôt bien. Face à Ryu. Face à Keke. Face à Keke. Ryu. Ryu, il me semble qu'on l'a déjà rencontré, non? Je me trompe peut-être. Son pseudo me dit quelque chose. Voilà. Ah non, Skull a perdu aussi. Pardon. Il s'est fait éliminer en 6. J'avais pas vu qu'il avait déjà un 6. Bon, alors c'est un petit début. Hein, voilà. Tout le monde va se mettre en place. C'est l'échauffement. Donc n'hésitez pas. Voilà, s'il y a une place qui se libère, on va voir hein, quel est le niveau. Là, je pense que c'est une bonne petite room pour commencer. Tranquille, sans trop en fait être obligé voilà, de jouer 3 secondes parce qu'on n'a pas le temps de poser quelques pièces. Ça laisse normalement le temps de poser un petit premier jeu. Là, ça va être attendrissant comme première phase. À toi aussi, t'as pas joué depuis des mois. Alors moi aussi, hein, j'ai pas joué depuis la dernière tournée des bars. J'ai juste fait quelques parties avant d'entraînement dans les rooms. Mais je vous avoue que je vais pas être à un niveau fort. Et s'il y a des gens comme Akai est déjà dans la room, mais c'est vrai que bon, Akai aussi a commencé un petit peu doucement. C'est normal. Faut une petite phase d'échauffement. Voilà. Alors là, Ryu a perdu. Dida face à Keke. Dida a l'air d'avoir un meilleur jeu, plus de construction disponible. Mais il y a un Tetris quand même qui vient de partir. Keke qui a bien rempli l'écran. Attention, un triple quand même. Ça répond à l'aide de triple. Pas trop de T-spin pour le moment. C'est vrai que c'est pas trop des joueurs. J'ai pas été voir le graphe. D'ailleurs de celui-ci, ouais, pas trop de joueurs à T-spin, ce qui fait qu'on se fait pas trop agresser en 3 lignes. Parce que l'avantage des T-spin, soit triple ou double, bah, c'est qu'avec quelques lignes de posée, 3 à 4, vous pouvez tout de suite attaquer fort, à la différence d'un Tetris où vous êtes obligé d'attendre absolument d'en avoir 4, bah, vous pouvez attendre d'en avoir 2 ou 3. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la base, et puis le T-spin fait vraiment plus mal parce qu'il part du principe que c'est plus difficile à construire. Donc c'est un peu normal aussi que vous êtes... Non, par contre j'ai 2 barres d'entrée, ça c'est pas ce que j'aurais voulu... Oh là là. Ok, je fais un début dégueulasse. Voilà, j'ai pas fait un bon départ, je vais me faire arroser. Hein. Je pense que ça va remplir très vite, j'ai intérêt de monter quelque chose de très très rapide. Ah ouais, par contre ce carré m'emmerde. Heureusement ça a pas attaqué très très fort parce que là j'avais rien de monté. Ok, alors est-ce que ça va jouer ou pas? Ouais, c'est timide pour le moment. On m'a envoyé un petit peu quand même. Juste pour... Ouais, ça y est, du coup ça renvoie. Parce que là c'est parti. Là, faut pas s'endormir. J'ai pas bien de jeu. Hein. Ouais, je trouve pas de solution. Faut que je réussisse à ouvrir mon puits à Tetris. Voilà, c'est chose faite. Une petite solution là. Hop. Ok, on va attendre, alors on va reconstruire. Ah, sauf qu'on ne laisse pas le temps. Il faut que je trouve le moyen de reposer un peu de jeu. Histoire de voir un peu ce qui va arriver. Par contre, je suis pas super bien parti là. Ah, ouais. Ouf. Ok. J'ai pas fait gaffe. On va juste ouvrir ça, ok. Ah, j'attaque plus là. C'est mauvais là. Je suis en train de dormir de nouveau. Faut que je monte un petit quelque chose. Sinon, ça va être le remplissage assez violent. On va garder cette barre là. Tranquille. Ok, nice. Ouais, ça va que. C'est pas très violent au niveau des attaques pour le moment. Parce que là, j'aurais dû déjà prendre très cher. Ouais, on va plutôt faire ça, parce que malheureusement... Allez, là. J'ai eu beau regarder, je trouve pas de pièce. Ah! Plutôt ça, c'est mieux. Ouais, la barre là, ok. Ouais, j'aurais dû essayer de conserver ma barre. J'ai mal joué là. Ouais, ça va, heureusement le jeu m'en donne juste une autre après.
Ce qui est plutôt propre, par contre... Du coup, là, maintenant, j'ai plus rien pour attaquer. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, j'essaie bien de me hurry-upper, mais ça ne fonctionne pas, ouais, 3. Ouais, j'arrivais pas à construire assez vite. J'ai construit qu'en 30. En termes de speed, c'était pas terrible. J'arrive pas à trouver de solution. J'essaie de regarder. Bon, ça permet de rester 3, là. Bon, ça commence doucement, hein. Des bonnes lumières gentilles, c'est fait. J'ai juste fait le remind manette moi-même. Ah, t'arrives à jouer à la manette. Alors, moi, Skull, je n'y arrive absolument pas. Je sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Mais là, on sent que c'est l'échauffement parce qu'on a le temps de replacer le jeu. Et ça attaque pas trop violent. En même temps, ça dépend. Parce que le souci, c'est que vous pouvez prendre, des fois, de manière très très injuste, hein, tous les dégâts de la room d'un seul coup. Alors que vous êtes qu'au début du jeu, parce que, voilà, en fait, la cible est sur vous. Et malheureusement, vous allez vous prendre tous les dégâts additionnés de la... Enfin, additionnés. C'est de la room. C'est pour ça que, des fois, il faut pas trop tarder à envoyer un tout petit quelque chose. Parce que sinon... ouais, ça, c'était une connerie. Sinon, ça va mal se mettre. Hein. Ouais, par contre, là, je suis mal parti, là. Ah, putain, ouais, ça, c'est pas bon. Alors attends, on va essayer de compléter le jeu comme ça. Ouais. Ouais, pas d'attaque assez suffisante là, ouais. C'est pas suffisant tout ça. Ah là, puis là, en plus, je me tape que des barres alors que j'aurais peut-être plus de pièces. Ouais, mais maintenant, je vais plus en avoir. J'aurais plus de pièces planes. Et du coup... Foufou, ok. Ah, par contre, si j'ai pas de barre, s'il te plaît, le jeu. Ok. Oh, j'ai tué Skull. Ah, il vient pas le T. Ah, ah, saleté, il vient pas. Putain, pour une fois que j'essaie de monter un T-speed, malheureusement, ça va pas aider. Ah, j'ai rien, je vais crever. Je vais crever lamentablement. J'ai essayé hein, de me sortir avec un petit T-speed en réserve au milieu. Malheureusement, la disposition des pistes ne m'a pas aidé. Oh là là, c'est difficile, hein, c'est difficile. Allez, on va essayer... De se motiver là, 3, c'est vrai que les deux qui sont, même si Aryu, elle a vite décroché. Ah, ça y est, Akai là qui est quand même en bonne position pour essayer peut-être de battre Keke. Allez, essaye de battre Keke. Ah, il joue vite, ça va être dur. L'écran complètement vidé, mais voyez, oui, il était triste quand même. Hein, c'est, allez, c'est vrai qu'il n'y a jamais la souris. Vous avez vu quand même du côté d'Akai hein, qui est juste à côté de Skull en bas, 5ème écran là, de jeu juste à côté du chat, qui avait un jeu assez dégagé avec pas mal de Tetris, même s'il est bien remonté. Il a quand même pu tenir tête hein, à Keke qui lui avait un espace de jeu complètement libre. Là, il y a quand même de quoi monter. Il y a quand même un Tetris qui se prépare. Il y a un triple qui peut être derrière s'il arrive à ouvrir. Mais par contre, il va ouvrir très vite. Il est en train d'envoyer pas mal de combos 6 Ren. Voilà, ça fait mal. Ouais, le Ren là qui vient au bout d'Akai qui n'a pas eu le temps de récupérer, malheureusement. Ça. Ouais, ça, ça bonne construction du bas. Mais quand t'arrives pas à rouvrir ton jeu après derrière, c'est tout de suite la punition. Ça, ça va pas. C'est sûr. Petit début, mais Akai qui, voilà, qui s'est bien placé là. Oh là là, et des fois ça attaque très très fort. Pas le temps de construire quoi que ce soit, que c'est déjà infernal. Tout moment, faut pouvoir répondre avec un peu de jeu. Voilà, du coup, ah, par contre, c'est de ce côté. Ok, oh là là, c'est féroce là. Oh là là, c'est très féroce là. Ouh, je sais pas qui est énervé. Ah ouais, c'était vraiment violent là. Ouh là là, j'ai vraiment pris extrêmement cher. Pourtant, on voit que j'ai pas chômé. Hein. J'étais à 34. J'ai envoyé 3 Tetris de Rennes, mais ça n'a absolument pas suffi. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un de notre qui est arrivé dans la ronde. Non, c'est toujours les mêmes là. Putain, c'est Aryu qui nous a mis cher comme ça. Ah, parce que je vois que Kai et Skull aussi se sont fait complètement défoncer. C'est étrange là, ce début de partie qui était plutôt calme. Il y a quelqu'un qui a attaqué très très fort. Ou alors les 3 ont attaqué de manière en synergie. Ce qui fait qu'on a vraiment tout pris. Salut à toi Mario Link, salut à toi Sixis. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va peut-être voilà, on va voir, faire peut-être une ou deux encore autres parties dans cette room. Et puis on va changer. Donc n'hésitez pas, hein, connectez-vous. Choisissez un salon. Et puis on essaiera de vous rejoindre si on reconnaît votre nom sur le chat pour aller vous affronter. Voilà. Et là, j'avoue, hein, y a quand même une petite... De mon côté, on a senti quand même un léger début de phobie administrative. Hein. Légère, oui, légère, mais
Pas plus que ça, vous voyez. Pas moins non plus, mais pas plus. Vous voyez, hop, très bien. Je sens comme ça le thévenoud s'immiscer en moi. C'est vrai que ça a été un début très très violent. Alors heureusement, moi j'ai vu le temps de placer quelque chose, donc j'ai pu récupérer assez vite. Mais ça a été la surprise que dans cette partie-là, il y a une attaque beaucoup plus prononcée. Tu penses qu'il y a eu un perfect clear quoi, du côté d'un des joueurs Akai? J'ai pas eu le temps de voir. C'est vrai que là, moi j'étais tellement concentré sur mon écran quand j'ai vu que. J'ai fait oh là là, il y a une grosse poussée, il y a une grosse poussée, c'est l'éruption, c'est le volcan du Japon qui se réveille, attention, il va y avoir des blessés. Ouais, j'ai vraiment dit là, éruption volcanique sur notre écran de Tetraminos. Et j'ai pu assurer la quatrième place, ce qui est pas si mal parce que ça a vraiment laissé tout le monde sur le carreau a priori. Hein. C'était pas évident. Bon alors, est-ce que on va essayer de relancer deux trois parties pour voir si ça va être à peu près la même chose. C'est vrai que là on était vraiment surpris. Allez, donc là il y a un petit match entre Haryu et Keke. Keke qui a pratiquement vidé, qui a donc une bonne configuration. Mais par contre, il va falloir qu'il remonte quelque chose. Vous voyez, il a construit deux puits à Tetris en espérant pouvoir combler. Ouais, si le Tetris arrive, pleuve, il va même peut-être pouvoir faire du back-to-back s'il a gardé du coup dans son réservoir une barre. Bim, première. Ouais, c'est ça, back-to-back Tetris. C'était mieux, vous voyez, qui est en train de monter. Parfait, l'attaque de Keke. Ouais, j'aurais peut-être dû garder la barre. Moi, je me suis un peu empressé là. J'espère. Ouais, j'en ai une autre. Bon, ça va. J'ai la barre, bien sûr. Hashtag de ce programme sur Gaming Live. Je fais des rotations de trop là. Ouais, plutôt utiliser. Ah, décidément, j'ai rien qui veut pas m'empêcher de boucher là. Ouais, j'ai pas le choix. Ah, c'est pas beau, mais j'ai pas trop le choix. Là, 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 ouais, putain. Ah, ça va être la galère là. Ah, je suis déjà dans une position, moi, vraiment pas bien. Ok, la barre. Ah, il faut que je garde ça. C'est important, faut que je garde ça. Oh merde. C'est pas trop ce que je voulais faire. C'est même pas du tout ce que je voulais faire. Oh là là, je fais des erreurs. Aïe aïe aïe, c'est la cata. J'ai fait. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi là. Putain la vache. Oh putain, on a pas le temps de partir pisser. Attends, mince. Ouais. Ok. J'ai pas fait encore une fois ce que je voulais comme opération. Je me déconcentre là. Allez. Petite attaque. Ça suffira pas. J'ai pas réussi à trouver quelque chose de mieux. Ouais, tu m'étonnes. Oh, c'est lent là, j'arrive pas à trouver de solution. Alors là, je fais très mauvaise partie là. Ah, c'est pas la bonne pièce, c'est l'autre que je veux. Ah ouais, le jeu. Ah, le jeu là qui s'amuse avec moi. Et du coup, je suis en train de lutter comme je peux, mais je vais pas m'en sortir. Ah! Non, j'ai trop tardé là. Absolument impossible de trouver des solutions là. Malheureusement, vraiment trop tardé. Ah, c'était difficile là, encore une fois. Dès le début, ça a été très très compliqué d'assurer un jeu. Et après, j'étais tout le temps en train de redispositionner, de me repositionner, d'essayer de trouver quelque chose, mais impossible. Donc j'étais toujours en train de lutter dans le top tiers de l'écran. Ce qui sert absolument à rien. Vraiment compliqué là, ce début de partie. Pas facile, pas facile, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On change un peu de room pour aller voir si c'est mieux ailleurs. Allez, on va changer de room. Voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres. Moi, bon, qu'il n'y a peut-être rien. Alors là, c'est ouf. Là, il reste pas beaucoup de place. Il y a beaucoup de monde. C'est plein. Là, c'est celle où on est. Là aussi, c'est.
ouvert, mais du coup c'est rempli. Là, c'est bizarre quand il y a beaucoup de bottes comme ça. C'est pareil, ouvert, bien rempli. Allez, on va aller faire un petit tour ici. On va rester encore dans les choses à peu près abordables. Donc même si Tuyugama, là, il a ouvert un Tetris, il a placé son T-Spin. Mais... ouais, parti. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Ok, il a l'air d'avoir des débutants quand même pour la plupart. Ouais, pas mal de débutants, j'ai l'impression. Même si... il a l'air pas mal. Ah, alors lui, il faudra faire attention, la Y. YT qui a l'air fort. Bon, Skull, on le connaît. Hein. First Skull, le graphe du coup qui nous développe. Ouais, pas si mal. On sent que c'est pareil, hein, y a pas trop de... ça se joue pas trop T-Spin, hein. Ça a un petit peu plus que moi quand même, un peu de vitesse, surtout beaucoup de rennes, majoritairement des rennes, peu de back-to-back aussi, en même temps c'est normal ça. Je sais même pas à quoi il ressemble mon graphe maintenant. Ouais, ça ressemble un peu pareil quoi, pas terrible. Ah, t'inquiète pas, ça, on va bien trouver une room. Je te dis, va jouer dans une room et puis je me déplace comme ça, tu vois, de temps à autre. J'essaye d'aller. De me promener. Ça permet de voir un peu différents joueurs, même si là j'ai l'impression que la room est pas très forte. Hein. On risque, à mon avis, de pas rester très longtemps, à part Y. Je pense que le reste va être un peu faible. Ah, moi je me trompe, hein, tout dépend. Parce que c'est vrai que des fois on peut se prendre toutes les attaques des autres et avoir des difficultés à évaluer le niveau de la room. C'est un peu compliqué. Mais là, vous voyez, c'est pas violent le niveau, hein. C'est pas très violent. Ça vous permettrait de répondre à ce genre de choses. T'arrives pas à join, mais c'est normal là. Du coup, elle est pleine celle-là, Ona. Alors, roule vite fait dessus, on repart, c'est un peu le principe. Même si dans l'autre, quand même, il y avait un petit niveau, hein. Il y avait quand même un bon petit niveau. C'était bien pour s'échauffer. On a vu pire, hein, bien sûr, on a tourné des barres, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on se prépare. Voilà. Même si je commence à m'emmêler les... Oh ouais, si je commence à m'emmêler les pinceaux, on va pas s'en sortir. Ouais, Skull qui a déjà pris un KO. Ça attaque fort. Par contre, je fais un peu n'importe quoi, attention. Ok. Voilà, on se laisse une petite ouverture. Malheureusement, j'ai pas de pièce double. Ah ouais, du coup, ça ne va pas suffire. Ça va être plus compliqué là. Ok, j'ai complètement raté ce que je voulais faire. Ouais, ça me coûtait cher. Complètement raté ma dépose de pièces. Ouh là là, c'était très mauvais. Désolé là. J'ai vraiment complètement raté ce que je voulais faire.
Okay. Ouh là là. Ok, je l'ai compris là que je suis resté tout seul. Hein. Oh la vache. Putain, comme il était en train de m'attendre. Oh. Oh là là, ce remplissage. Il a fait mal celui-là. Ah, cette violence, ouais. Donc c'est bien ce que je disais. À part Y, les autres ne doivent pas être très coriaces. Mais alors Y, c'est violent. Hein. Cette implosion que j'ai prise. Oh. Petite erreur. Est-ce que ça va me coûter excessivement cher? Ah, c'est pas vrai, ça mise drop. Ok, attends. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Je trouve un petit quelque chose. Non, ça va pas, ça serait grillé du jeu pour rien. Ah, c'est pas mieux malheureusement. Ah là là, je m'en sors pas là. Tellement me faire attaquer, tellement je produis plus de jeu là. Je suis en phase de récupération, c'est tout ce que je fais. Et j'arrive plus à monter quoi que ce soit. Passer l'espace. Ah, j'hésite là, en plus c'est pas bon ça. Pas le... Oh là là. Ok, ça s'est raté. Essayez de pas se rater deux fois de suite pour récupérer quand même un petit début de coup à pouvoir attaquer ces messieurs. C'est difficile, hein. C'est les façades. Oh là là, oh là là, ça y est, ça commence. Ah, mais. Ah, mais non, on est plus que 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, c'est le moment de venir nous rejoindre, si vous voulez. Là. Oh là, il y a eu un big départ. Qu'est-ce que c'est que cette transhumance? Ah ouais, là, ça a été dur là. Là, ça a été difficile. Ah, ça y est, on a nous rejoint. Bon, elle va rester un petit peu dans cette room, alors histoire, mais croyez-moi, le Y, c'est un client. Hein. Franchement, alors là, il y a Shellahouse aussi qui est rentré dedans. Ouh là là, on va le sentir déjà. Hein. Là, ça va faire beaucoup plus de représailles encore. Ils sont tous partis, ouais, c'est clair. Vous avez vu ça là, d'un seul coup, salut à toi, Liguane. Ah ouais, hallucinant là. Hallucinant. Attendez, je comprends pas pourquoi ils sont tous partis. Peut-être, on va demander son avis à Kenny West. Je pense que Kenny West doit savoir pourquoi ils sont partis. Pourquoi vous êtes partis, là? Pourquoi vous êtes pas de... Ah, mince, mince. Ah, du coup, ah, je vais partir un peu en retard. T'enlever mes conneries. Alors, attends, hop. Oh là là, ok. Raté. Rotation ratée. Ah, bah deux fois. Oh là là, je fais un début de partie excessivement mauvais. Je pense que je vais pas aller très loin dans cette partie là. Heureusement un peu aidé là. J'ai du pot que ça soit de mon côté ça.
Allez, si. Oh! Ouais, non, bah non, là, je m'en sors pas, là. Non plus. Ouais, rien. De toute façon, j'ai fait un démarrage en retard, donc il n'y avait aucune chance que je tienne, là. Je finis quand même 4. Ah, ça y est, Sab a pu nous rejoindre. Allez, on va pouvoir faire une vraie partie, là. Allez, on reste un peu donc dans cette room, histoire qu'on s'affronte, là, ceux qui voulaient nous rejoindre, style Aona, style Sab. Mais là, avec Shell, ouais, et Y, c'est difficile. Alors moi, je suis parti en retard, en plus, je faisais le con. Ça n'aide pas, hein, ne faites pas comme moi, bien sûr, jouez bien. Bah, ouais, faites pas comme ce monsieur-là, voilà. Jouez bien. Allez, donc là, bah, du coup, il va y avoir à peu près le même niveau, hein, je pense, Y et Shell. On va voir, Shell en a déjà remporté, Y en a déjà remporté 4, mais Shell n'était pas, vient juste d'arriver, genre, depuis 2-3 tours. Donc il est peut-être pas chaud. Et là on voit cher quand même. Hein. Oh là, il a un petit peu du mal là, Y. Je pense que on va avoir vraiment du mal alors que j'ai des signaux d'encouragement de la part de Skull. Mais ça va être très très difficile là parce que je pense qu'on va prendre excessivement cher. Entre Y et Shell, on va être pris entre deux feux. Et d'un seul coup, on va commencer à avoir posé deux pièces. Ah, l'éruption volcanique. Le Ren 13, bah ouais, ça veut dire c'est la base, hein, Ren 13. Nous on en fait 5 maxi, tu sais, quand on a du vent. Allez, on va voir ce que ça fait. Ah, ils ont quand même du mal. Hein. C'est assez équilibré hein, parce que malgré les attaques assez féroces, oh, c'est encore monté très violemment du côté de Y. Beaucoup, beaucoup d'attaques par Shell. Et ça ne suffit pas. Il résiste bien quand même, Y. Hein. YT là qui fait ce qu'il peut, essaie de rattraper son jeu. Il faut fort qu'il récupère. Ah, pourquoi il a mis la barre de Tristram comme ça? Il est sûr d'avoir la pièce là? Ouais, ok. Bah, il était sûr. Parfait. En plus, il enchaîne. Oh, le Ren. Hein, mais il y avait un T-spin double au milieu du Ren. Ça a dû faire excessivement mal ça. Bim, le Tetris qui repart. Oh, là, ça tient bien. Ça tient bien. Il y a un gros duel là. Gros, gros duel. Ouais, ils ont à peu près le même niveau, hein, franchement. Ça se joue pas à grand chose parce que réussir à résister aux attaques des différents protagonistes, c'est quand même excessivement fort. C'est dire si on va prendre. Hein. On va prendre vraiment, vraiment. Ouais, les deux bourrent le Ren, mais en plus ils bourrent le Ren et au milieu ils foutent des Tetris et des triples. Hein. C'est pour dire. Pardon, et des T-spins. C'est pour dire combien on va prendre excessivement cher. Allez, 5. Alors, il a fait qu'un 5 et a enchaîné après à casser et un triple qui est parti. Ouais, je pense que ça va être difficile. Hein. Je pense que ça va être très difficile pour nous. Hein. Alors là, du coup, on va finir au time-out. Hein, parce que l'écran est en train de se remplir. Moitié d'écran de rempli obligatoirement. On peut plus descendre plus bas. Donc il va falloir essayer de trouver des attaques dans un espace très très restreint. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est ce que tentent de faire les deux joueurs. Peut-être que Y a mieux joué son coup. L'écran moins rempli. Plus peut-être de possibilités d'attaque du côté de Shell. Mais si c'est pas évident, il va falloir qu'il puisse. Allez, il continue à attaquer quand même. Hein. Shell, même dans un endroit aussi réduit. Il a aussi quand même un Ren 3 qui est parti du côté de Y. C'est tendu, c'est tendu. Ah, ils veulent pas lâcher. Ils veulent pas lâcher tous les deux au bord de ce noyau. C'est victoire de Shell. C'est victoire de Shell. Mais en gros match. Hein. Gros match. On a intérêt de construire là parce que ça va être vraiment dur. Hein. Voilà, ça va faire mal ça. Voilà ce qu'on vient de voir. Je peux vous dire qu'il va falloir y aller fortement. C'est déjà rempli moi de mon côté. Alors... c'est dur. Ah, si je fais ça, problème, ouais, je pourrais pas récupérer à temps. Ah, j'ai pas de pièce double malheureusement. Ah. Ah non. Ah, rien, 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 rien. J'ai juste pu tenir un petit peu quand même. Je me suis pas fait éliminer dans les premiers, je finis 3. Mais après, c'est monté tellement vite. Ça s'est bien passé. Vous l'avez bien senti là cette attaque. On a senti qu'il y en a deux qui sont un peu bubissants là. Sab qui s'en est pas trop mal sorti, qui a fini 4. On a dû tous finir à peu près avec Aona et Skull dans les mêmes. Je pense qu'on a dû tous finir à peu près dans les mêmes temps. On a absorbé un petit peu au début les dégâts. Il y en a un qui a eu un peu moins de peau et qui a tout pris. Mais difficile, hein, difficile.
Et puis là, les deux sont repartis pour encore un duel. Hein. Ça va malheureusement être à chaque fois un peu comme ça parce qu'on n'a pas de quoi aller les ennuyer. À part s'il y en a un, tenir plus d'une minute, ah, ça va être chaud. Déjà, tenir 30 secondes, c'est bien. Tenir 30 secondes, c'est bien. Le problème, c'est que là, on va partir dans les duels entre les deux parce que comme ils ont à peu près le même niveau, ça va encore, je pense, pas mal se renvoyer la balle avec des échanges assez longs. J'ai peur que malheureusement, les parties finissent pas vite, donc c'est ce qui est toujours un peu embêtant. Il faudrait qu'il y en ait un des deux qui meure rapidement en fait pour avoir une partie qui se termine beaucoup plus vite. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, ils sont pas venus pour rigoler. Ils sont pas à tourner des barres, ils sont pas comme nous. Hein. Ouais, Shell qui tient un bon espace de jeu là quand même. Hein. Y est plus. C'est plus compliqué sa solution, même. Enfin c'est plus compliqué sa situation, même s'il va pouvoir à mon avis quand même récupérer avec des doubles. Ça y est, il a quand même pu récupérer son Tetris, c'est bon, ça s'est vite rempli du côté de Shell du coup. Parce qu'il avait rien. Ah, le miss drop du côté de Shell, non c'est bon, il arrive à s'en sortir avec quelques doubles. C'était pas à mon avis un miss drop, hein. C'était presque prévu, je pense, pour récupérer et enchaîner une petite série de rennes comme ça. C'est de trouver ça dans un espace. Où bah, il n'arrive pas encore à récupérer le bas de sa construction. Ça a été récupéré complètement par Shell. Là, ça va se remplir hein, du côté de Y, même s'il a quand même pu pas trop en prendre. L'attaque n'était pas si violente que ça au final. Et du coup, c'est reparti Y qui redonne un peu de malus à Shell. Shell qui va ouais, quand même récupérer son triple. Et ça, puis à Tetris, c'est plutôt bien parti du côté de Shell. Il attend la barre. Ça y est, c'est parti. La première qui est partie, un triple qui suit. C'est plutôt bien fait. Et Y là qui est en situation complexe parce que beaucoup, vous voyez, de carry. Pas tout au même endroit, donc il va essayer de monter un T-spin back to back. Rennes assez bien parti pour essayer de récupérer, donc du coup il n'a pas trop le choix. Il faut qu'il enchaîne les rennes pour pouvoir récupérer un peu plus d'aération au niveau de sa construction, histoire de trouver quelques doubles. Ah, Rennes, non, qui va gagner. Ouais, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Là, c'est vrai que les attaques ont fait excessivement mal pour Y. C'était dur, hein. C'était très. Oh là, par contre, moi si je fais ça, bon, ça va. Oh là là, oh là là, doucement, 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 je suis français. S'il vous plaît, je suis français, laissez-moi. J'ai dit que j'étais. Ah, c'est pas possible ça! Infernal. On les regarde jouer en fait. Oh là 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 là. Et comment on les regarde jouer. Bon, là ça va. Ah, attendez, il y a une petite partie qui se refait rapidement. Alors, heureusement, parce que sinon j'allais envoyer une petite page de pub. Oh là là, par contre, moi j'ai mis dropper, c'est mauvais ça. Oh là là, deux fois. Oh, je pars avec du gros embarras. Ça va être difficile. Oh là là. Ah, mais merde, je tape à côté en fait. Ok, je tapais pas sur la bonne touche. C'est pour ça. Je disais, putain, c'est bizarre quand même. Ah là 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 là, c'est très mauvais ça. Ah ouais, moi j'ai pas de jeu. Hein. Oh là là, c'était obligé. J'avais absolument pas de jeu à cause de ces miss drops de trouver direct. Oh là, c'était très difficile. Bien, alors ce que je vous propose, c'est qu'on quitte la room. Petite page de pub, mais on revient pour se trouver quelque chose d'un peu plus équilibré. Parce que là, enfin, le problème, c'est que du coup, ça va être que E2 et on va rien pouvoir faire. Et le problème, c'est qu'après, ils vont s'affronter entre les deux. C'est ça. Si les parties se finissaient vite, ça serait drôle. Mais là, étant donné qu'on se fait bourrer, qu'en plus, après, ça dure 10 ans, il vaut mieux faire une page de pub et essayer de trouver notre room. Allez, à tout de suite dans cette tournée des bars. N'hésitez pas à nous rejoindre.
Allez, de retour dans cette tournée des bars. Et croyez-moi, il faut être en forme, hein, parce que là, on vient d'essuyer une tempête de caca là, dans la room où on était. C'était vraiment pas évident. Allez, je rappelle que vous pouvez nous rejoindre. Allez, je vais attaquer directement cette room là avec Mochopi, Mou, Ig et Kelly. C'est parti, direct. On va se mettre ici le temps d'attendre, pardon. Et de vous dire hein, que vous pouvez bien sûr vous aussi rejoindre Tetris, nous rejoindre sur Tetris Online avec Tetris Online Poland. Petit programme à télécharger, petit compte à créer. Après, c'est parti. Venez vous aussi bien dans une room et on essaiera bien voilà de se promener, de vous retrouver dans une autre room si celle-ci se remplit. Parce que vous avez vu que ça va très vite. Par contre, on a déjà été rejoint par quelqu'un avec 31 et qui a plutôt un bon petit graphe et mou du bout. Voilà, par contre, ça va. Ouais, j'ai pas le temps de regarder les graphes, parce qu'il faut tout de suite se remettre. Et là, vous savez que des fois, quand on revient comme ça de pause, c'est très difficile de trouver un petit moyen d'attaquer. Oh là là, gros miss drop là, ça commence superbement bien, magnifique. Le miss drop qui va m'aider tout de suite à gagner. Y'a pas de doute. Oh, j'ai fait vraiment n'importe quoi là. Bon, pour moi c'est fini, hein. C'est fini, c'est clair. C'est pas Sephiroth, c'est fini. Ouais, le gros miss drop d'entrée, c'est pas possible. Quoi. Ça, c'est absolument interdit. Alors, attendez, je vais me réchauffer un peu. Ça, c'est toujours le problème quand on fait une pause. Les autres, ils viennent de jouer, donc du coup, ils sont vraiment ultra chauds. Et le temps de reprendre quoi que ce soit, c'est très difficile. Donc là, ça attaque un peu plus fort, quand même. Donc, du coup, il faut retrouver un peu de vitesse de jeu. Ouais, ça va revenir. Ok, hop. Hop. Là, j'avais très très mal commencé. L'impulse de miss drop, c'est pas la peine, quoi. C'est fini. Dès que tu arrives comme ça dans une situation où t'arrives plus du tout à retrouver du jeu parce que tu fais des petites erreurs. Ok, bon, ça a été vite plié, celle-là. Allez, bon, c'est bien, ça a l'air de jouer vite. Je pense que geste aussi... va nous faire du dégât. Ouais, ça attaque fort quand même, hein, parce que là j'ai pas chômé. Je suis déjà en difficulté. Oh là là! Par contre, ça c'est pas bon. Ah! Je vois rien en plus. Ah non, c'est pas la bonne pièce. Ouais. 3, ouais, ça attaque quand même très fort hein, là aussi. Ouh! T'es violent, hein! Parce que là, j'ai pas fait spécialement d'erreur, peut-être pas assez trouvé l'attaque, c'est tout. Parce qu'en termes de vitesse, c'était bien, mais tout de suite pris beaucoup, beaucoup de dégâts alors que j'avais à peine construit. Ouf, c'est chaud, hein, c'est chaud. Ah, je pense que ça mérite un petit hommage après Kenny West pour rester dans les hommages, hein, bien sûr, de ces gens qui font attention où ils sont. Ah bah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, par contre, c'est bien, ça joue vite, ça nous permet peut-être de réussir à rentrer dans le rythme effréné de cette partie. Allez, tac, tac. Mmh.
essayer de laisser ça libre, sans soit peu. Oh. Que je casse là, parce que là je regarde un peu trop le jeu. Ok, après un petit chaos. Je vais pas l'avoir celle-là. J'ai vu qu'il me restait une barre. Ah oui putain, je trouvais plus rien pour attaquer. Je l'ai vu, j'avais plus rien monté. Là, je finis 2, c'est quand même pas si mal. Mais là je montais plus rien en fait. Du coup c'est un problème ça. C'est comme quand vous êtes dans le milieu X, quand vous montez plus rien, c'est la fin de la carrière. Ça c'est sûr. Allez. Je vais pas résister longtemps. Une barre. Ouf. Inespéré là cette barre. Sens. Ah, ça marche pas, ça, c'est vrai. Quoi, je suis dégueulasse là. Ah,
Allez, hop, allez, hop, je fais ce que je peux là. T'as bien que je suis un petit peu dans la caca avec ce que tu m'envoies. Putain. Putain, on avait bourré. Bien joué, Ona. On avait bourré Jess là, mais là, du coup, un jeu dégueulasse à la fin. Ah, le jeu qui voulait rien me donner quoi. Le bar qui arrivait un poil trop tard, j'ai pas réussi à la prendre plus tôt malheureusement. Oh. Ah oui, là, le miss drop. Le miss drop qui fait excessivement mal. Ah non, je vais pas m'en sortir. Ah! Ah, c'était chaud! Mais j'ai pas trouvé. Hein. Pourtant, il a pas forcément bien attaqué à la fin, mais il a pas réussi à trouver quelque chose. On va se le faire, mince! Ah, ce vieux misdrop qui va me coûter tellement cher. Ah ouais, là, je vais prendre cher. J'ai rien. Ah! Putain, c'est vrai, c'est dans l'autre sens. Putain, ça, j'arrive pas à m'y faire, en fait. C'est rotation très étrange dans le CRS, là, qui passe pas. Parce que la pièce passe que dans un sens. Oh, salut à toi, Jago, comment vas-tu? Comme dans Mionix, tu manques plus rien à la fin de carrière, c'est ma fin de carrière. Tu veux bien, rejoins-nous, Jago. Ça serait marrant que tu viennes jouer à ça. Télécharge le logiciel. Alors, si vous connaissez pas Jago hein, sur Gaming Live, c'est un des meilleurs joueurs français, si ce n'est le meilleur joueur français sur TGM 1 et 2. Et un des meilleurs joueurs, bien sûr, hein, que vous pouvez fumer dans n'importe quel bon établissement. Un des meilleurs joueurs aussi au niveau européen. Fait partie hein, de la team Super Play Live et qui joue de temps à autre. Bon là, ces temps-ci, il est sur Cotton Call, donc faudra pas aller en vouloir, hein. Il a d'autres chats à fouetter. Salut Sojiro, salut à ceux qui sont là. Non mais là, en misdropant comme ça, c'était mal barré, hein, dès le début. Alors qui c'est qui nous reste là? Il reste quand même Skull et Unsky et Jest. Allez, ils vont y arriver là, les deux Français qui vont se faire Jest, hein, je pense. Ça va être faisable, allez Skull, allez Unsky, allez, allez, Jess il a quand même de quoi encore attaquer, même si Unsky a un bon Tetris qui devrait pouvoir attaquer pas mal, même peut-être un back-to-back hein, s'il a de quoi faire, mais ça va être chaud, il joue quand même dans le haut, ah, c'est difficile, en train de lutter là, Unsky si ça monte d'un seul coup, ça va, il vient de prendre pas mal de dégâts, ouais c'est bon, il a le temps de lancer son Tetris, suivi d'un petit Ren, un triple, parce que ça a été dur là, il était en train de lutter Unsky, ce qui va lui permettre de s'aérer un petit peu vite, allez, il faut qu'il fasse descendre là, vite fait, à ça, il y a quoi récupérer, mais après vous allez voir, ouais, le problème c'est que tire super de l'écran, après il y a beaucoup de petites erreurs à rattraper, mais ça va lui permettre d'avoir quelques doubles d'affilée, peut-être avec des Ren qu'il va réussir à trouver grâce à ses carrés, ce qui peut être
être toujours une chose intéressante, à la différence des TGM, hein, d'avoir des reines comme ça, enfin d'avoir des carrés comme ça déplacés peut permettre de trouver quelques reines et de faire un petit peu plus mal à son adversaire. Malheureusement, Skull a dévissé et Geste est en train de monter l'infinité de reines là, avec des doubles décalages dans sa colonne à partir de la droite, ce qui lui permet d'attaquer très fortement Nuska qui malheureusement n'a pas grand chose à envoyer. Il essaie de regarder, il essaie de trouver des doubles et triples, non ça va pas suffire. Pour le moment, il n'y a pas à prendre d'autres attaques de Geste tout de suite, qui est en train de monter un Tetris très certainement, peut-être un back-to-back, non il n'a pas eu le temps, il avait qu'une barre, il va monter, il essaye vraiment de le finir, voilà, il l'a fini tranquillement, et moi je suis mauvais. Voilà, sixième, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Allez, ah merde, Geste s'est cassé d'ailleurs, du coup, il était, il a une amarre, il a dit, ils sont trop nuls, je me casse. Pas de niveau ici, qu'est-ce que c'est que cette poule de merde? Oh, ok, c'est pas bon. Ça je sais pas quoi en faire. J'ai sorti une petite attaque avant celle-là, par contre il va falloir vite trouver une barre là, ça va être problématique, ok on veut la une, ah je peux rien faire de plus malheureusement. Ah fais chier ça. Ouais c'est pas bon ça. Là, je trouve pas de solution. Ouais, je suis en faillite là. Ouais, je vais me faire tellement attaquer. Ouais, je vais prendre. Oh, j'ai Ona cette fois-ci. Ah, j'en ai enfin gagné une. Ça fait plaisir. Alors, il y a Jackie, Jackie Quartz qui nous a rejoint. On va voir ce que ça donne. J'en aurai au moins gagné une pour le fun. Ok, c'était quoi ça? Ouais, c'est... C'est pas gagné ça, c'est quoi ce jeu de merde?
Heureusement, j'avais trouvé quelques petites attaques alors que je suis parti avec un jeu vraiment dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. Parce que j'ai fait une connerie. Ouais, je pense que je vais la payer cher. Mais merde. Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai fait n'importe quoi là. Oh là là, de ce coup, j'ai complètement lâché la partie là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Jago qui nous a rejoint. D'accord, allez, on va quitter. Quelle heure? 15h. Alors, on quitte. Une petite page de pub. Jago, cale-toi dans une room. Là, commencez à vous caler. Puis dites-moi après dans le chat dans quelle room vous vous êtes mise. Vous êtes mis, pardon. Hein? J'arrive. J'arrive avec le lubrifiant, les fouets, les menottes. Et je suis à vous. Donc essayez de vous rejoindre. Et puis au pire, on créera une room. On va bien réussir à se trouver dans les différentes rooms. Allez, à tout de suite. À la suite de son débat avec Jago. Alors croyez-moi, là, ça va être autre chose. Jago, c'était talon. Vous le connaissez peut-être avec son masque de cheval incroyable et une dextérité eh bien, dont toutes ses conquêtes ne cessent de nous parler. Eh bien, vous allez voir, vous allez pouvoir admirer ça tout de suite en live sur Gaming Live, la chaîne Powerplay dans la tournée des bars. Et croyez-moi, ça va valoir quand même un bon coup de cidre, hein. Voir de champomis. Allez, à tout de suite. Allez, de retour dans cette tournée des bars, alors dites-moi où vous êtes, parce qu'on essaye, hein, je vous rappelle, dans ce principe de s'affronter sur Tetris Online, et apparemment Jago nous a rejoint, donc je cherche le petit Jago, et demander à l'accueil, alors où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous n'êtes pas là? Ah ouais, vous êtes là, mais c'est plein. Alors évidemment, il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie, sinon je ne pourrais pas venir jouer avec vous. C'est comme vous voulez, hein, mais si personne ne sort, il y a Penlight aussi. Sinon, moi, je vais aller... voilà, il y a Novo, là, il est tout seul, level 2.
Ah bah c'est fermé. Parce que sinon, j'aurais été avec plaisir essayer de m'occuper de lui. Alors dites-moi tout. Est-ce qu'on fait, on essaie d'investir notre room? Ou vous jouez entre vous et je vais me faire voir. Ce qui est possible aussi, hein. Vous n'avez pas l'air décidé. Au pire, on crée. Bah non, mais on va pas. On va pas s'embêter. Bon, écoutez, moi je vais aller là, hein, démerdez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je vais dans Fatagrap. Je vais aller voir Michoko et Netflix et tout va bien se passer. Voilà, vous avez qu'à me rejoindre. Ah bah oui, mais j'y peux rien que ça soit full comme une actrice porno, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, moi je vais aller jouer contre Michoko, je serai très bien. À tout seul. Qu'est-ce que c'est que ces pièces de merde? Puisqu'on ne veut pas de moi, hein. Voilà, vous êtes sur Gaming Live et on me refuse l'arrivée, la dro mon droit de cuissage, mon droit de passage, excuse-moi. C'est quand même inadmissible. C'est imbitable. Combien de temps je vais tenir face à Michoko là? Ah bah non, il est parti d'ailleurs. Bon alors, vous êtes où là? Il y a des gens qui nous ont rejoints ou pas? Il y a Scud, une Scud. Mais où Jago encore? Ah, celui-là, hein, je vous dis. Hein. Alors sinon au pire en effet, hein, créer quelque chose et puis on va venir vous rejoindre. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Du calme, du calme, du calme. Je n'ai rien fait moi. Pas de ma faute. Pas moyen de continuer malheureusement. Voilà. C'est très mauvais. Oh là là. Ah, je joue tout seul, comme je peux.
Bon alors, qui c'est qui nous a rejoint là? Penlight. Ah, bah voilà! Jago est là! Ah! Enfin! Voilà, doucement, doucement, je suis... Doucement! Laissez-moi le temps d'admirer le jeu de Jago quand même. Aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà, ça attaque là. Ça joue sérieux là, on est tous concentrés. Personne ne veut faire le vieux miss drop. Ok, oh là là! Ah bah voilà! C'est un petit duel au sommet, désolé Jago. Ah c'était de bonnes... Putain Jago, t'es arrivé comme ça direct, t'es deuxième? Ah c'est bien. Allez, on repartit là. Sur les Tetraminos, je regarde aucun. En fait, enfin, je les regarde pas réellement. Ah, vous êtes prêts? On repartit. Regarde pas vraiment en fait, enfin, parce qu'on est habitué au code couleur. Alors j'essaie d'en regarder peut-être deux, voire trois à l'avance, mais c'est chaud déjà. Hein. Donc je la regarde pas vraiment et peut-être que j'arrive en déceler quelques-uns, en fait en discriminer plus exactement quelques-uns à cause de leur couleur. Donc quand il y a une barre, des choses comme ça, je sais qu'elle va arriver. Mais des fois, il m'arrive aussi de me mélanger les pinceaux et de penser que la pièce allait arriver plus tôt. Là, par contre, j'ai fait une petite erreur. Ça va me coûter cher, ça. Ça va me coûter cher. Que je fais quelques erreurs des fois d'interprétation. Oula, ça attaque là. Je sais pas qui c'est, mais ça on le voit.
Ouf! Petite erreur. Ah ouais, je suis en train de regarder le jeu là. Oh, je vais prendre très cher. Je suis en train de complètement regarder le jeu, c'est mort pour moi. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas retrouvé. Ah! C'est pas la bonne pièce. Et par exemple, là, j'ai confondu. Ah! Saleté! Saleté! Putain, c'est serré là, hein? Pourtant, je joue en plus n'importe comment. Ah putain, ouais. C'est quoi ces pièces? Allez, bim, bim. Bien récupérer quelque chose de plus stable en bas. C'est pas dit que je vais avoir vraiment le temps. Concentration, concentration. Ah, ah, la barre, la barre. Oh, oh, oh. J'ai eu Lune Sky. Oh là là, c'était chaud. Cette partie. Comment on change la couleur des blocs? Elle te dérange tant que ça? Pourquoi tu veux changer la couleur des blocs, toi? Qu'est-ce qui t'arrive, Jago? Bon, vous êtes prêts? On est reparti. Pourquoi tu veux changer la couleur des blocs? Franchement, c'est pas ce qui me dérange le plus, moi, la couleur des blocs. Hein. C'est quoi ces excuses d'homme âgé? Ah! C'est quoi ça? Ouais, je suis dans la merde, moi. Je suis officiellement dans la merde. Oh, deux fois de suite.
ça va être la mort. Ah ouais, puis alors là... Ah putain, c'est ça que j'avais... Ok, je voyais pas. Oh là là, j'ai complètement mal joué. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, qu'on soit un T-spin, tu vois, il y a un T-spin 4 secondes, une pièce. Moi, perso, j'improvise. Je suis plus comme un Ola. Moi, honnêtement, c'est au feeling, tu vois. Bon, alors, on va faire un petit message, là. Ah, Jago est toujours en une mire. Un petit message, toujours pour embêter. Il est où Jago, que j'ai lui demandé en ami. Comment on fait, d'ailleurs? Attends, on va aller le faire chier. Graph score at friend. Ah, voilà, on a envoyé une petite request histoire de le faire chier. Du coup, Jago qui a fini 4, ça avait plutôt pas trop mal sorti. Alors là, il reste qui Netflix, enfin KFX, IDFX. Il reste Lune, Sky et Skull. Putain, les Mistrop en Word. Ah ouais, toi aussi, t'as vu, ça fait drôle. Hein, voilà. Et le pire, je sais pas si t'as vu, c'est pas tellement les Mistrop normalement qui vont te déranger, c'est en fait tout ce qui est Wallkicks. Alors ça, c'est violent. Dès que, parce qu'encore, si tu fais un Mistrop, bon, tu te dis ok, mais t'essaies de le rattraper à la manière TGM, et là, tu pleures. C'est là que tu te dis, ah ouais, c'est pas du tout le même système là. Ça fait vraiment bizarre. Il faut aller dans la boutique pour changer les couleurs. Est-ce qu'on peut changer aussi sa garde-robe, son tutu, tout ça? Ça peut être complètement intéressant. Hein. Est-ce qu'on peut acheter des items, histoire plus de caca de Tetris, hein, que des barres, ou des choses de ce genre. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Venez, venez un petit peu voir. La tournée des barres, est-ce que ça peut donner... surtout que là, en plus, aujourd'hui, on est vraiment très sérieux et ça joue. Il y a un petit peu de level. Ça fait plaisir. D'habitude, c'est plutôt un bordel organisé. Alors, je ne sais pas, les rangs sont très très gentils. Ah, mais non. Ah oui, non, mais alors ça, ouais, c'est qu'il a skinné, il a skinné la représentation de ses blocs. Mais je sais pas, vous êtes sûr qu'il joue avec ses blocs, là, en fait? Moi, je crois que c'était juste un skin, en fait. Et du coup, il joue avec des blocs différents. Putain, moi, je pourrais pas. Hein. T'imagines, toujours monochrome, comme en Chirassé, quoi. Voilà, voilà, et on se calme, là? Qui c'est qui a construit si vite, là? Putain, il y a une saleté qui joue bien. On n'est pas habitué à ça. Oh! C'était pas bon ça. Je trouve des solutions. Oh là là, je mise drop, hein. C'est la folie là. Je trouve pas l'attaque là, c'est violent. Hein. Ah! Je sais pas ce qu'il faut. J'ai mal joué. Je sais pas ce qu'il faut pour m'en sortir. Ah, Sky qui a pris un petit KO.
C'est pour entretenir notre amitié, bien sûr. Oh! J'ai pas eu le temps, Skull! Meurs pas à ce moment-là, j'allais envoyer mon attaque! Saleté! Putain, c'est dégueulasse, j'étais prêt là! Oh! Ce manque d'invisibilité? Ah ouais, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu de mode invisible quand même. Ah, Skull, non! Pas quand je vais t'envoyer une vieille attaque dégueulasse, quoi! J'avais mon Tetris qui était armé et tu trouves le moyen de crever, quoi! C'est quoi ce suicide? Je dis non! Merde, je fais n'importe quoi. Ouais, je fais de la merde. Ouais, du coup, ça m'a complètement déconcentré. Gâchons pas cette barre tout de suite. Oh, ça fait mal ça. Oh, une Sky qui a encore pris un KO. Qu'est-ce qui se passe, une Sky? Ouais, il est pas en forme, hein. Fatigué. Que tu nous habitues à vraiment mieux, quoi. Ah putain, il fait chier lui. Ah ouais, puis alors quand ça veut pas, hein. Malheureusement. Oh, y a Skull qui vient de prendre encore un vieux KO. C'est pareil, j'attendais là. J'attendais, Jago, merde, j'attendais là. C'est pas possible. Putain, qu'est-ce qui se passe? Jamais autant gagner de match là. Oh, c'est vous. Putain, j'étais en train d'armer Jago, j'ai envoyé juste le premier Tetris, hein. Il y avait déjà le décès suivi de mort. Ah! Le vieux Mistrop dégueulasse. Oh là là! Oh là là, là je fais des séries là. Ça c'est pas bon.
Ah, il y a quelqu'un qui m'a... Saleté. Il y a des gens qui trichent. J'ai dit... Ah, j'ai pas d'amis. J'ai déjà dit je n'ai pas d'amis. Depuis que je joue à Tetris Online, je n'ai plus d'amis. Hop, 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 hop. Ouais, par contre, il va falloir la barre, parce que sinon... On va pas être amis longtemps. Hashtag j'ai pas de barre, hashtag je sais pas où elle est. Hashtag je trouve quand même ce que je peux avec ce jeu de gland. Aïe 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 aïe. Attends, ça peut être sauvé. La bonne pièce, la bonne pièce. Encore la bonne pièce. La bonne pièce. Il va falloir construire quelque chose là, sinon ça va être en représailles. Et bah, autant qu'on soit quelque chose avec ce jeu de merde. Ah ouais, là. Putain, c'est quoi ce jeu? Sans deck. Ah oui, ça marche pas, ça, putain. Et ça marche? Ah oui, ça marche. Oui, alors je découvre en direct, hein, bien sûr, avec vous, les rotations. Ah, le misdrop! C'était pas le moment. Les rotations qu'on peut faire dans ce jeu, hein, bien sûr. Ah, viens là, toi. Ouais, bah, hurry up, hurry up. Oh là là. Déjà, j'ai essayé de pas me hurry-upper de mourir. Ok. Alors, Jago, merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es mou, là, t'es mou. Oh là là. Moi, je te connaissais fringant, la crinière au vent, tout ça. À l'époque où tu faisais le glandu... Carrefour... Carrefour Shibuya. Oh là là, j'ai rien. Ouah, ça c'était bien, j'avais absolument rien. La barque était trop loin, j'aurais dû envoyer un petit quelque chose. Ah, bien joué là. Bien joué les mecs. Ah ouais, j'avais absolument la barre, elle était trop loin, j'aurais dû attaquer plus tôt en fait. J'aurais dû commencer un petit quelque chose, je pensais pas que j'allais prendre aussi cher. Bien joué. Ah, ça a été violent là, qui c'est qui m'a envoyé un message? Courage. Message de courage à la part de Moscow. Ah ouais, elle a bien joué, j'ai absolument vu que du feu là. Ce gros chaos que j'ai pris d'Aona, il était magnifique. Allez, on va pouvoir un peu regarder ce qui se passe là, entre les cadors. Jago qui a une structure assez stylée, hein. Alors que Aona a un jeu magnifique, hein. Elle nous a mis un skin là, ouais, ce jeu Remix Cube qui nous a trouvé. Attention, ça par contre, je pense que t'as mis dropé, non, t'as essayé de nous monter quelque chose, je sais pas trop là. Ça peut être intéressant, ça peut être vite cassé, en plus c'est pas forcément un mis drop trop navrant, parce que tu vas pouvoir récupérer assez vite de cette forme. Par contre, Jago, complètement pas là, lui aussi, hein. Sinon on a pris cher là dans cette partie. Ça a été excessivement dur. Allez, une Sky qui peut tirer quelque chose, hein, peut-être un triple, qui peut pour une fois tirer quelque chose. Hein, une Sky, on a envie de dire, on est content pour toi. C'est tellement rare, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. On a quand même qui essaie de riposter. Allez, Sab qui va trouver quelque chose. Il attend le triple. C'est le triple est parti. Parfait. C'est lancé. Allez, il y a encore quelque chose à monter. Là, il essaie de récupérer peut-être quelque chose. Enfin, qu'il récupère le bas de son jeu. S'il récupère pas le bas de son jeu, il va se faire complètement poutrer. Il attend le carré. Carré. Allez, c'est bon, le carré est arrivé. On essaie d'enchaîner. Non, ça enchaîne pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, continue. Ah, il arrive pas à trouver les pièces. Une barre, non! Ah, c'est la mort de ça, malheureusement, qu'il n'a pas réussi à enchaîner assez vite, ça construit beaucoup plus vite du côté de l'Onsky. Et Onuskel, Aona qui est là, Aona qui monte, alors là, il monte carrément des jeux, du jeu à l'arène, hein. Oh là 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 là, cette bouchée à l'arène qui est en train de nous monter, regardez ça, le jeu qui est monté, puis il y a Tetris à gauche, on ne sait pas, essayer de trouver ce qu'il peut, il va essayer de casser pour faire un maximum de combos, c'est ce qu'on espère pour lui. Onuskel, il y a un jeu plus posé, lui, il va essayer de récupérer dans un premier temps, pour à base de doux, peut-être de trips, s'il a de la chance, mais vous voyez, là, il n'est pas en train de monter quelque chose, il est en train de récupérer à partir de son stack, essayer de trouver des jeux et un petit peu d'attaque. Onuskel, Aona, lui, ça, il a réussi à trouver au moins 3 reines, dont un double.
Triple et double du côté Unsky qui vont être envoyés. Ça s'équilibre. Là, les jeux. Aona essaie de monter quelque chose de plus violent, peut-être. Là, Unsky est toujours dans une phase, vous voyez, il est en train de récupérer sa construction. Alors que Aona, lui, cherche de l'attaque. C'est ce qu'il est en train de faire. Là, on a placé quelques-unes. Du coup, l'écran se remplit beaucoup plus du côté de Unsky. Allez, on essaie de voir un petit peu. Ah, ça s'équilibre. Ah, Unsky qui essaie de monter quelque chose. Monte quelque chose, Unsky, parce que sinon, ça va attaquer vite derrière. Là, par contre, t'as un petit peu de répit. Même si Aona a des possibilités quand même. Ah, ouais, là, si il arrive à avoir un L. Il a rouvert, s'il a la barre, ça va faire mal, il peut enchaîner facilement, il a pour faire monter dessus pour avoir un petit peu plus de chance d'enchaîner quelques lignes. Double qui est parti, ouais, vous voyez, petit à petit, une qui se fait remplir, qui n'arrive plus, en fait, il est juste en train d'essayer de rattraper son jeu, il a essayé de monter une attaque à base de triple, il n'a pas réussi malheureusement à placer la barre au bon moment. Problème de timing là, et du coup, Aona qui remporte ce tour, hein. Parfait. Alors, je suis déconcentré, excuse-moi, t'es pas habitué. Alors attends. Par contre, moi je suis parti avec un jeu dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai voulu faire moi? C'est n'importe quoi ça. Putain, on dirait Jago qui joue sans deck. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce démarrage de grand-mère là? Je vais me faire tellement bourrer, ça serait normal. Voilà, une rotation de trop sur le. Sur cette pièce. Oh, ça va être dur pour moi, ouais. J'ai excessivement mal démarré, hein. Ouais, j'y arriverai pas. C'est mort. Oh là, ce démarrage. Très moche, quoi. Oh là. Ah, celui-là, il était mauvais, hein. Allez, on en profite, on va faire la dernière page de pub. De cette tournée des barres, histoire de me reconcentrer, parce que là je suis plus dedans, hein, plus du tout dedans. J'espère que j'arriverai à rejoindre peut-être la room ou pas, on verra ça. Allez, petite page de pub et on se rejoint pour cette dernière ligne droite. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a du niveau, on s'amuse. Vous avez vu là, pour une fois on est sérieux, en tournée des barres on n'est pas habitué. On n'est pas habitué que ça soit aussi concentré, aussi. Autant de bons jeux. Là on fait honneur à la chaîne Powerplay, d'habitude on est plutôt du niveau de la TV1. Vous voyez, c'est plutôt ça nous notre créneau. Allez, à tout de suite dans cette tournée des barres sur la chaîne Powerplay de Gaming Live.
Allez, de retour dans cette tournée des bars pour vous accompagner en ce début d'après-midi de samedi. Si vous vous emmerdez, eh bien, il nous reste encore, grosso modo, une petite vingtaine de minutes pour eh bien, nous défier sur Tetris Online. Venez nous rejoindre, il y a du bon niveau. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on joue plutôt bien, de manière sérieuse, et c'est plutôt cool. Alors, je ne sais pas où sont mes compars, s'ils étaient en train de bourrer une room, mais je ne sais plus où ils sont. Est-ce qu'ils sont toujours. Voilà, donc je ne peux pas rentrer, ils sont toujours dans le Fantagrap. Donc moi, je vais essayer de me téléporter. Je vais faire du Wong Warp dans une room où j'ai peut-être mes chances. Là, il y a beaucoup de monde. Là, c'est plein. C'est pas mal plein. Là, il y a un mec qui est tout seul, mais il s'appelle Mister T-Spin. Donc, je le vis mal déjà. Vous voyez, quand il affiche un pseudo comme ça, c'est dur pour moi. Bon, vous êtes où là? Vous êtes toujours resté dans votre petite famille, on n'arrive pas à vous en sortir. Ouais, non, ça c'est l'autre. Ah, attendez, j'ai réussi. Ne bougez pas, j'ai réussi à rentrer dedans. C'est très bien. Je sais pas qui c'est qui est parti, mais j'ai pu rentrer à la frame. Alors il y a Okamoto qui est là. Alors Okamoto, est-ce que c'est un bon joueur? Ouh là 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 là, Okamoto. 43 d'APM en attaque, ça va faire excessivement mal, je pense. Et puis il y a YK, non, qui est un peu plus faible. Ah oui, non, YK, je pensais. Oui, c'est pas YT de tout à l'heure. Non, non, ça devrait jouer, je pense. Allez, Jago, là, qui a un bon pion de Tetris au centre, qui va essayer peut-être de placer une attaque. On sent le joueur de TGM, quand même, qui joue à base de Tetris. Je sais pas comment il a fait évoluer son graphe, on peut aller voir. Ouais, principalement Tetris et Rennes, ce qui me semble logique. Pour les joueurs de TGM, c'est plus difficile de placer les T-spins, en fait, en termes d'attaque. On les s'en sert plutôt en termes de récupération de miss drop. Allez, ça essaye d'attaquer, là, Jago. Ah, c'est Skull qui vient de se faire KOT. Je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, qui vient d'en prendre plein la face. Parce que le bot, attention, il y a un T-spin qui est monté du côté de Moto. Il va falloir résister à tout ça. Jago qui est au milieu de la bataille là. Est-ce qu'il va réussir? Ah non, ça a été direct la violence. Et Okamoto qui va continuer à construire. Oh, cette construction du côté d'Okamoto, ça va pleuvoir. Les Tetris, il y a un double décalage. Vous voyez les deux premières et deuxième colonnes qui sont décalées, enfin qui sont libres, pardon. Et du coup, cette construction décalée qui monte au niveau de la troisième colonne a permis de faire pas mal d'attaques. Mais Y. Q. K, pardon, je sais plus comment il s'appelle, va quand même réussir à tenir tête avec lui aussi. Qu'est-ce qui est ridicule ce que j'ai fait, coupe ça au montage. Mais non, ça sera bien sûr sur ma chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs vous uploader la tournée des barres 7. Hein. J'ai mis la 6, j'ai pas mis la 7 encore. Mais je vous promets de mettre ça d'ici le week-end, en début de semaine prochaine. Et je mettrai donc. Bah, ça va être la 8 celle-ci. Hein. Je vous mettrai ça aussi d'ici la semaine prochaine, j'espère. Vous savez que j'aime bien vous mettre. Hein. C'est quand même un petit plaisir personnel. Et je suis heureux de vous offrir ça sur Gaming Live. Voilà, après ce que j'ai compris, on avait un sérieux client, hein, donc on va se faire. Ah ouais, d'accord, on va se faire attaquer. Puis alors moi je reviens de pause, donc du coup je suis plus mou que tout le monde. Ah, ce miss drop. Ah, celui-là il est pas beau. Hashtag donne-moi une barre, hashtag donne-moi une barre, hashtag donne-moi une putain de barre, merci. Ah putain, dommage. Rien. J'ai fait quoi là? Fais un petit mouvement au moment de poser la pièce, hein, ça m'a pas réussi. Hein. Oh là là. Ah! Putain, ça mise drop. Ah, j'ai pas grand-chose, hein. Ah, j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à récupérer.
Ouais. Alors, j'ai très mal joué. J'arrivais pas, absolument pas à récupérer le haut de ma construction. Du coup, impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Ah, mais du coup, il y en a un des deux qui est parti, donc il reste plus que Y. Ah, il y avait un coup à jouer là. Un coup à jouer. Allez, allez, je me remotive. Là, c'était parce que j'étais en pause. Je vais aller prendre un petit peu de produits illicites hein, qui s'appelle de l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de consommer d'eau. Hein. C'est complètement illégal. Vous le savez. Il coupe que tes victoires. Oui, bah oui, toi, Skull, de toute façon, tes victoires sont dignes d'un mirage en plein Sahara. Donc c'est pour ça. Je ne les coupe pas, en fait. Hein. C'est tout simplement que c'est une hallucination. On a l'impression, si tu veux, que tu gagnes, mais il n'y a que toi qui as cette impression. Tous ceux qui regardent attentivement et bien la tournée des barres voient quelqu'un qui se fait remplir. Allez, du coup, Jago a un coup à jouer. Là, est-ce qu'il va réussir à battre quelqu'un? Il joue contre qui? D'accord, il joue contre Aona. Attention, il y a quand même un Tetris qui brûle. Le trip, ça va faire mal, ça pour Jago. Ah là là là, il a rien monté dans les trois dernières lignes. Ah, yeah, bien joué, Aona. Bien joué, Aona. Jago, il lui manque la finition quand même. Vous hein. Voyez, c'est le mec, il est sur le tournage, il n'arrive pas à éjaculer, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Il lui manque vraiment ce petit coup de pouce hein, qui pourrait l'aider à bien finir sa scène. Mais non, mais non, mais non. Moi, je construis comme une grand-mère, comme une vieille paralytique, là. Oh là là, ça va plus, moi. Je fous tout à côté. C'est comme si je pissais à côté de la cuvette, là. Allez, faut que je trouve quelque chose. Petite attaque là parce que j'ai plus grand chose de monter. Faut que je monte des blancs en neige là. N'y voyez aucune blague raciste, bien sûr. Bah ouais, mais là. Là, c'est la misère, le niveau pièce. Ah ouais. Putain, je suis pas aidé là. Ça joue sérieux là. Concentration.
Ah, j'ai essayé de la jouer comme j'ai pu. Cette concentration pour essayer de la jouer comme j'ai pu. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à trouver quelque chose là. Ouais, malheureusement. J'ai tenté, hein. J'ai tenté, mais non. Ça n'a rien donné. C'était une belle tentative. On sentait que ça partait loin. Bien joué à Ona. Allez, montons quelque chose. Putain, j'ai que des pistes qui me font chier. Ah, j'arrive pas à trouver l'ouverture. Bien joué, Ona. Ah ouais, j'ai eu une succession de pièces excessivement dégueulasses. Je pouvais vraiment pas m'en sortir avec le jeu avec lequel j'étais parti là. Oh là là, cette suite de pièces dégueulasses. Il me fallait une pièce absolument plate de largeur 2 et il n'y en avait aucune. J'avais que des barres à la glande. Hashtag j'ai trop de barres, c'est quoi ça ces attaques là? Oh, doucement, on se calme. Ouf. Petite confusion de pièces. Oh, encore deux fois, putain, deux fois que ça m'arrive là. Oh là, je suis plus dedans. Ah, ça va me coûter cher ça. Ouais. Oh là là, deux fois de suite la confusion de pièces en fait. Je regarde pas la bonne. Ah, ça pardonne pas. Oh là là, j'ai du mal là. Hein. Là, j'ai du mal à attaquer quoi. Ouais, elle est trop gentille là. Alors, on est entre nous. On est entre nous, mais. Putain, la vache, j'ai fait n'importe quoi. Et Honor Skull contre Jago. Allez, allez, on va voir qui c'est qui va y arriver. Est-ce que Honor encore, va encore gagner une partie? Honor qui est tout seul là maintenant depuis quelques temps dans cette room. Oh, on s'amuse là, on profite pour une fois qu'il y a Jago.
Mais là, là, moi, j'ai fait vraiment. J'avais de quoi attaquer. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai confondu la barre en fait. Et du coup, je l'ai pas envoyé en fait. Je l'ai mis dans le hall. Et après, quand je pensais la sortir, j'ai sorti. Enfin, je sais pas, absolument pas ce que j'ai foutu. Grosse confusion au niveau de mes pièces. Salut Archie! Allez, on va avoir le temps de se faire peut-être une autre partie, parce que là, pratiquement, on est arrivé au bout de ce programme. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que Jago, malheureusement, il est déjà dans la survie, là, il n'arrive plus à attaquer. Ouais, ça va être la dernière, ouais, sans doute. Ah mais là, attends, moi j'ai passé complètement à côté alors que j'avais de quoi. J'étais tranquille dans la partie, parce que j'ai foutu. Pff, que de la merde. Allez! Oh, ça rattaquait fort derrière du coup. Ah ouais putain, la succession des pièces encore une fois. Ah, je prends excessivement cher en termes de pièces. Oh là là, j'ai pas de jeu, c'est hallucinant. J'ai du jeu pour envoyer au début, ce qui fait que j'ai construit assez vite 3 Tetris, et après, succession de pièces ultra défavorables. Tiens, là j'ai pas de pot, hein. Ça fait deux parties malheureusement où... Je peux rien faire parce que j'ai vraiment un jeu dégueulasse, quoi. Ah ouais, puis juste, je me suis pris la représailles au moment où j'ai eu une distrib affreuse, en fait. Enfin, la distrib qui me permettait pas du tout de répondre à ce jeu, quoi. J'aurais dû plus casser. C'est dommage, hein, parce que le bourrage en soi était pas grave, mais alors par contre, ne pas avoir de pièces comme ça, c'était plus grave. Et Jago, du coup, qui nous a quittés. Tu t'entraîneras pour la prochaine fois. Merci d'être passé, Jago. Salut à toi. Bon, allez, je pense qu'on va juste regarder cette dernière partie. Puis moi aussi, je vais m'en arrêter là. Parce que là, malheureusement, bon, on finira sur une partie en demi-teinte. Mais bon, quand ça veut pas. La fatigue, peut-être, au bout de 2 heures. Allez, on va regarder quand même cet affrontement entre Skull. À part si ça risque d'être excessivement long. Parce que là, les choses, les écrans de jeu sont quand même assez loin d'être rempli, surtout du côté de YH et de Skull. Donc on va voir. On peut encore répondre. Il y a encore mid-screen. Il y a de quoi, je pense, envoyer quelques bonnes attaques. Normalement, s'il récupère, voilà, son Tetris. Parfait. Voilà, là, c'est remonté du côté de Y, hein, qui c'est lui qui a pris tous les dégâts. Skull est encore un petit peu à l'abri. Donc il va falloir vite qu'il monte quelque chose. Par contre, là, il monte plus un peu dans la survie. Il faut vite qu'il essaye de trouver une possibilité pour attaquer. Parce que sinon, le remplissage va être violent. Ona qui a complètement vidé son écran et qui devrait s'en sortir. Non, je vais pas continuer sur ma chaîne perso pour cette fois. On s'en refera hein, de temps à autre, ne vous en faites pas. C'est déjà bien sympa d'avoir pu se faire 2 heures comme ça un samedi après, mais puis vous avez répondu présent, en tout cas pour ceux qui aiment bien venir jouer à ça, et c'était plutôt cool. On a fait des beaux affrontements là. Pour une fois, on pourrait être content de nous parce qu'on a proposé du beau match. Même s'il y a eu des joueurs très très forts, malheureusement Skull ouais, qui s'est fait dépasser, Aona qui est en bonne position, là, elle est en train de remonter des colonnes, et ça va enchaîner les rênes très violemment. Je pense que ça va être difficile hein, pour YKH. Ouais, non, parce que là il attaque, ouais, il attaque 6, oh là là, magnifique, magnifique fin de la part d'Aona, qui aura eh bien largement gagné sa place dans cette room. Bien! Bah écoutez, j'espère que ce programme vous aura plu. On va faire quand même un petit coucou. Voilà, bonjour François Fellman, bonsoir Kenny West, tous ces gens qui aiment les handicapés pour finir ce programme et cette tournée des bars. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors on reviendra, on ne sait pas quand. Alors juste une petite information, la semaine prochaine, la grille des programmes ne change pas hein, pour la chaîne Powerplay. Donc voilà, on se retrouve lundi entre 12h et 14h, tous les jours pour l'entraînement sur Metal Gear Solid en speedrun. Et on se retrouve mardi soir pour Beyond Gaming de 22h à minuit. Ça sera le tournoi 69 Tetris The Master qui a lieu à la salle Connara, qui vous sera commenté dans les conditions du direct, mais c'est ce tournoi, et eh bien c'est fait en début d'année 2014. Et on bien, je vous tiens au courant en fait du changement de la grille quand sera lancée la nouvelle grille. Il y aura quelques légers changements en fait de jour, mais normalement, voilà, vous serez pas trop perturbé. Pour ceux qui suivent particulièrement ce que je fais, normalement ça devrait pas
trop changer, puis on pourra se caler comme ça des petites tournées des bars dans la grille. Ne vous en faites pas. En tout cas, merci à tous ceux qui sont venus à ce rendez-vous, que ce soit Jago, que ce soit Aona, bien sûr, Skull, Sab, qui c'est que j'ai oublié, Akai qui est passé, voilà, enfin tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont été dans le chat aussi, eh bien je vous remercie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un excellent week-end, une bonne fin de samedi, amusez-vous bien, allez peut-être faire vous aussi la tournée des bars et puis suivez un peu la continuité des programmes. Alors je sais, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'autre sur la chaîne Powerplay aujourd'hui. Pas du tout certain de ça. Par contre, il doit pas se passer du côté il doit se passer des choses du côté de la TV1, donc je vous invite à vous y rendre. Ou sinon, eh bien, faire ce que vous voulez, peut-être aller vous entraîner vous aussi sur Tetris Online. Allez, merci à tous, gaming !